Ravi de vous retrouver pour ce nouvel épisode de mon Let's Play Westland 2. Avec une zone bien bruyante, je dois dire. Mais bon, on va devoir faire avec. C'est vrai que toute cette flotte, c'est pas super. Ah, faut que je les sépare. Alors, je pense que la zone est à peu près finie, seulement je voulais vraiment l'explorer à fond. Et j'ai découvert deux ou trois autres, je sais pas combien ils sont pour l'instant. J'en vois que deux. Celui-là il est bien caché, mais bon. Deux ou trois autres, bulboniques ou un truc comme ça, je me rappelle plus comment il s'appelle. Bulbonique a fait le tour. Ça devrait pas poser de problème. Bon, on commence par 18 de dégâts, c'est pas énorme. Bon, ouais, ça commence pas très fort. Pas de crit, ça c'est un peu gênant. Ouais, par contre là ça va. Avec sa nouvelle arme, elle fait quand même très mal. Embuscade. Bon, par contre, lui, si elle c'est bon, elle a une énorme performance. C'est parti. Ah, raté. Lui, il lui faut une nouvelle arme, il n'a pas encore eu le droit à un fusil d'assaut potable. Ah, fait chier, j'ai pas eu. Voilà. Bon, c'était une simple formalité, je m'en doutais un peu. Je vais pouvoir looter. Je sais pas trop ce qu'il va y avoir dans les parages, à mon avis. Ah, si, quand même. Il y a quand même de quoi faire. C'est pas piégé, je crois pas. Non, c'est parti. Et ça, c'est. C'est un coffre-fort à serrure classique. Ah, en plus, c'est un facile. Je sais pas pourquoi ils mettent un facile ici alors que j'ai croisé tellement de trucs quasiment impossibles. Ah bah ça. Ah ça c'est nul. Par contre, beaucoup de munitions intéressantes pour moi. Donc ça je le vendrai. Ah il me reste une grenade, j'avais pas fait gaffe, j'étais persuadé qu'il m'en restait pas. Tout ça c'est à vendre. Ça c'est du 2-5, ça c'est du 2-2. Je vais plutôt utiliser ça. Du coup je vais détruire ça. Enlever. Ouais, je l'ai détruit malheureusement. Je vais le démonter. J'ai tout raté, d'accord. Du coup, je peux rien mettre dessus, tant pis. Je suis utilisé comme ça. De toute façon, c'est vraiment au cas où, parce que de fait, au corps à corps, je suis très mauvais. Alors, quelques soins avant de partir. Ouais, c'est plus prudent. On est quand même dans une zone qui commence à être assez haut élevé en niveau. Donc, si je fais des rencontres. Les animaux, ça pourrait être mortel. Hein. Les pillards, je crois que ça ira, ils sont pas forcément très dangereux, mais les animaux, ça peut être mortel. Ok. Un soin sur elle qui a énormément de points de vie. Et c'est parti. Ah bah d'ailleurs, j'ai peut-être pas tout exploré encore. J'ai ce chemin là à faire. Non, non, bon, d'accord, ok. On retombe à l'endroit où on était au début. Je vais quand même faire un soin. Vite fait sur elle. Et là, je crois que je serai prêt. Alors, qu'est-ce qu'il nous reste à faire? On a fait une nouvelle base infestée, là. Donc, on va partir, je crois, à l'est, vers Damonta. Enfin, chercher Damonta, parce que je sais pas exactement où c'est. On a les combinaisons anti-radiation, donc tout va pour le mieux. On peut se balader un peu comme on veut, en fait.
Donc on est là, j'ai de l'eau, donc c'est parti. On va tout simplement aller par là. Ouf, ouais, enfin vers l'est, je sais pas trop. Des pillards. Ouais, les pillards, je me les fais. On est assez loin de la base, donc ça a commencé sans doute à être un peu plus dur. Combien de points de vie? 125. Ouais, bon. 80. Ce qu'il y a, c'est que j'aimerais bien m'approcher. Si je me mets là, je vais être à 10... je vais être trop propre, trop près, pardon. C'est pas idéal. Combien? Ah, je suis hors portée. Pourtant, il m'a pas l'air si loin que ça. Elle, ça va être bon. Ouais, parfait. Un petit 30 pour commencer. En plus, lui, c'est un... Il galope, hein. 15. 37. 14. Bon, ça commence plutôt bien, je dois dire. Ah, raté. Allez, c'est parti. Lui, il est hors de vue, donc je vais achever celui-là. Headshot. Alors ça va être un costaud au corps à corps. J'espère qu'il va pas tirer. Ouais. J'ai quoi comme arme là? Ah, c'est pas l'idéal. Je crois que je vais bouger pour pouvoir être plus libre de tirer. Ah merde, il est hors portée. Ouais, c'est ça, je m'y attendais. Évidemment, maintenant. Il va falloir qu'il se recule. Alors, elle. Ouais, j'aimerais bien l'achever quand même. Il est au corps à corps. Il va m'ennuyer, je sens. Heureusement qu'il peut tirer deux fois. Ah, il a loupé. Elle. Ok, plus qu'un. J'espère que l'autre, il a l'air de tirer à distance. Peut-être qu'il m'apportera une arme intéressante. Je pense que ce sera un fusil d'assaut, j'ai l'impression. Allez, fin de tour. Ah, en plus, là, il va bien se mettre là. Ah merde, non, il est à l'abri. Je vais me mettre là. 100% de chance de toucher. Ouais, je pense que ça va l'obliger à... Ouais, là c'est bloqué, de chez bloqué la vue. J'ai eu de la chance, hein. Franchement. Si j'avais réfléchi, j'aurais pas tiré parce que j'avais que 30% de chance de toucher. 92. Putain, je vais pas lâcher. Ah non, là c'est trop peu. Bien. Je peux l'achever. Yes. Bon bah ça s'est bien passé, j'ai pas pris trop de coups. D'ailleurs, est-ce que j'en ai pris un seul? Je suis même pas sûr. Si, peut-être quand même. Je saurais même pas dire en fait. Alors ça j'ai déjà. Par contre, ça, c'est parfait. Ça ira à merveille sur mon leader. D'abord, on va défaire ça. Ça va m'obliger à refaire un petit peu de bricolage. Ça, je vais l'enlever.
Ça, je vais l'enlever. Ça, je vais pas le détruire, c'est trop faible comme arme, ça va plus rien me rapporter. Ça non plus. Alors, ça, il faut que je l'attache. Du coup, il me manque quoi comme mode là? Le scope et le canon. J'en fais jamais, c'est bizarre. Il va falloir être un peu plus doué, mais. Voilà, j'espère qu'avec ça, dorénavant, il fera vraiment mal. À court de munitions. Roublard. Ah, il veut plus calibre 38. J'en ai plus beaucoup du calibre 38. C'est tout ce que j'ai. Oh putain! Je pensais pas qu'il serait à court de munitions comme ça. Alors, je vais par là, mais si, c'est bon. Un petit coup d'œil à la carte. On a l'hôtel mystérieux, je vais aller voir. Alors, par contre, il y a des radiations. Deux, c'est encore bon. Je vais essayer de fuir. Parce que là, ils sont. À mon avis, c'est des gros. Ok, j'ai réussi à fuir. 50% de chance, ça veut dire que c'est des gros. Donc, je me méfie. Une planque. Oh, ça c'est intéressant. Je vais tout prendre. On verra après. Donc je me dirige vers. J'espère que je tombe à peu près juste. Ouais, c'est par là. Par contre, il faut que je méfie. Là, il y a du 4. Ah, c'est bon, on y est. Oh, il y a du 4. Je sais pas si je peux y aller. Ah si, ça a l'air d'être bon. Ok. Alors, je sais pas trop à quoi m'attendre. Je vais quand même recharger. Ouais, c'est déjà fait. Ah, a priori, y a rien à tuer. Hein. C'est juste un point de compétence à mon avis. Là, j'en ai 3. Est-ce que non, il s'est pas risqué, je crois pas. Allez, c'est parti. Ah non, c'était de l'XP, 550. C'est pas un point de compétence. Ah, du coup, j'ai gagné pas mal de niveaux là. Ah, ça mériterait que j'en trouve plus, des trucs comme ça. Alors lui, il va continuer à développer lèche-cul et petit malin pour l'instant. Et mon tireur d'élite, il va continuer à développer. Peut-être mécano. Ouais. Je peux avoir des situations où j'aurais besoin de réparer les serrures déjà. C'est la base. Donc je préfère prendre mécano. Ok, c'est parti. Alors, faut que j'évite les zones plus 4 de protection. Est-ce que ça veut dire que je peux aller jusqu'à plus 4? J'en ai déduit que c'était ça, mais j'en sais rien en fait. 1, 2.
ça a l'air d'être bon. Une cage d'armes. Ah bah c'est bien ça. Ça fait deux fois. Hein. Ah c'est pas terrible ça. Hein. Par contre ça c'est très bien. 4 d'armure. Par contre il faut 6 de force. J'espère que j'aurai quelqu'un capable de me porter ça. Ouh là là, c'est quoi ces radations de merde? Pff, comment je fais moi? 2. 2 ça va. 2 ça va. 4, ça fait trop. Greetings, travelers. Are you looking for a safe path to the east? Do you wish to journey to the Manta and beyond? Then let the servants of the Mushroom Cloud be your guides. The Canyon of Titan is the only clear route through the radiation, and we guarantee your safety within it from west to east and back again. Je sais pas moi. All that is required is a small donation to our temple, and your security is assured. On peut pas passer en clair. If you hear this message, you are almost to our canyon. Just keep heading to the east through the great glow until you reach the safety of our canyon. May Titan's peace be upon you. Et merde, je sais pas, j'ai plus d'eau en plus. 4, je peux pas y aller normalement. Ça reste à voir. Un vendeur itinérant. Ouais, je vais aller voir. Ça m'embête là, je sais pas quoi faire. Est-ce que 4 je peux traverser ou est-ce que c'est ma limite? Merde, il a trop de poids lui, il peut plus bouger. Tu m'étonnes avec tout ce que je lui file. Alors du coup, c'est juste un vendeur a priori. Sauf que je sais pas où il est. Et il est là, d'accord. Hôtel mystérieux. Ah, c'est comme ce qu'on a trouvé tout à l'heure, ça. Ça pourrait être intéressant. Il faudrait que j'aille voir. Donc je vais vendre... Alors d'abord... Je vais vendre la camelote, je vais vendre ça. Plus 3 mètres de portée maximale, ça peut être sympa. Ça j'ai envie de le vendre. Bâton de bois déjà, je peux vendre. Ça j'ai envie de le vendre. Ça se vend? Ouais. Ça j'ai dit que je vendais, enfin ça. Ouais, ça aussi. Elle a pas assez d'argent, il faudra que je fasse gaffe. Ça aussi, ça je vais en vendre, j'ai pas besoin de tout ça. Ça j'en ai marre, je garde pas. Je devrais peut-être, je sais pas. Ensuite, je vais lui acheter des choses évidemment. Ça à mon avis, c'est ce que j'utilise moi-même sur lui. Ouais, c'est exactement la même chose. Donc je vais lui prendre les 20 snipers déjà. Elle a pas grand chose. Hein. Putain, elle a pas assez d'argent pour moi. Je vais acheter ça. Je vais garder les trucs. Pourquoi je peux pas le prendre là? Pourquoi je peux pas le remettre? Ouh, ça va me saouler. S'il faut que je les remette à l'endroit d'origine, c'est pas gagné quoi. Ouais, peut-être. 374, faut que j'aille jusqu'à 90. Du coup, je vais garder ça. 327, putain. Je vais garder ça, 201, 154, 106,
11. Ah, ça vaut cher, ça. Voilà, comme ça, elle va me donner 82. Et je la mets quasiment à sec. Je me débarrasse pas de grand chose. Mais bon, ça fera l'affaire. De toute façon, j'ai pas trop le choix. Ok, par contre, on sort par où? Je sais pas. D'accord, il n'y a qu'une sortie. Bon, je vais tenter de traverser la zone irradiée à 4. On verra. Si je meurs, tant pis. Ce que je vais faire, d'abord, il faut que j'aille voir l'eau. Faire le plein. Et puis après, je vais me lancer, je pense. Donc l'eau, on y est presque. J'étais obligé d'arrêter la vidéo. Je suis à 21 minutes, il me semble. Je vous laisse et je vous retrouve demain pour cette tentative. On verra si je peux passer à travers l'irradiation niveau 4.